Come on, êtes-vous prêts à voir un monstre, monsieur, madame? Connor McDavid! Boop, boop, boop. Bro, Colita! Bang! Alex Ovechkin! Aïe, aïe, aïe! C'est un privilège que j'ai de pouvoir ouvrir ça avec vous. Solid hit! Sur 15, Jeff Gordon! Cal Makar! One of one! Bang, bang, bang! Kaprizov! Ice Premier's Auto Patch, 1 de 1. Could be the greatest hit ever recorded. OK, salut tout le monde, c'est Alan pour The Workshop, bienvenue dans votre break 2795. On a du hockey pour starter ça ce soir. Ice Premier's Pro 7. Ouais, vous avez bien entendu. Avec une B-Box, yes. Ça va être un beau break, c'est sûr. Médias sociaux, vous les avez dans le bas de votre écran. Recherchez break underscore the workshop. Vous allez nous trouver tout de suite sur toutes ces plateformes-là. Ouais, parlez-en vous autour de vous. Gênez-vous pour inviter les amis sur le groupe. Si vous aimez ça, si vous avez du plaisir, ils vont avoir du fun, nous autres aussi. C'est certain. Maintenant, c'est assez, on traverse de l'autre côté. Go! Les voici vos box pour ce break. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Salut Ivan, let's go! Pendant que nos équipes apparaissent, c'était tranquillement. Je vous présente la Pro 7. Ouais, c'est la série 1. 90. Toute scellée encore, tabarouette. Toute scellée encore de tous les côtés. C'est malade. C'est malade. À garder scellée, peut-être. Peut-être que le gagnant l'ouvrira. Bref, ça va être shippé chez le gagnant par la poste. Et il pourra décider s'il l'ouvre ou non. C'est malade. Salut, Luc. Alors, on y va, on se lance tout de suite dans cette première. C'est la Ice 22-23. Les seals sont sur les côtés ici. On va enlever ça. Et on start ça. On va garder le jersey pour la fin, bien sûr. Si vous voulez faire d'autres breaks ce soir, il y en a trois autres en cours. On vous a sorti un magnifique football avec une B-Box football. Yes. On a aussi un Inner de Black Diamond en cours en Team Select. Il reste quelques équipes disponibles. On a un mini aussi en cours et on a un break de golf. Ok, yes, on est presque à moitié sur le golf. Allez voir ça. C'est parti, je vous souhaite un break 2795. Si on sort un très beau hit, j'ouvre ma Frozen in Ice chez moi. Let's go, Jérémy. C'est parti, passe avec une green de Ratty. En vert pour les Islanders. Si on a une die cut tout de suite, c'est Kaprizov, les magnifiques cool cuts. Dans l'Ice 22-23, sont magnifiques. Kaprizov pour Sylvain. Premier pack. Elle n'est pas arrivée en retard. No. No, Mr. Kaprizov. Place à la droite. Les rookies à l'arrière. Ace Mint pour les Jets. Pour ceux et celles qui suivent le hockey ce soir, après une période, 5-0 les Sénateurs contre les Sabres. Aïe aïe. Aïe aïe. Kaliev, les Kings. En green, orange avec Bo Horvat, les Canucks, les rookies à l'arrière, Edmonton avec Dylan Holloway, les huileux. On met une grosse surprise dans ce box-là, let's go. Une green ici de Quinton Byfield, les Kings. Ensuite, c'est Jack Quinn, en rookie. Et c'est, comment qu'on les appelle eux autres? On les sort un peu moins souvent. J'ai un blanc sur le nom de cette carte, mais on en sort un petit peu moins souvent. Monsieur Quinn pour Richard et les Sabres. Les Blue Ice, je pense. Eh mon Dieu, j'ai un blanc. Pas grave, on met ça sur les stands pour Buffalo. Les rookies à l'arrière, c'est le shérif. Wi-Fi, Harburg, Jacques pour le Canadien de Marcella. Ah ouais, à maison, les huileux, Luc. Oh, on t'en souhaite des solides. Green ici, Markstrom, les Flames. Les Calgary, Vladislav en orange pour les Coyotes. Salut Denis! Hey, je croyais une erreur. Non, non, hey, j'ai vu ça, c'était un après l'autre, tabarouette, c'est épouvantable. Figmo pour les Kings. En rookie, c'était assez quelque chose. Ben, en fait, les Sabres ne sont pas là pendant tout. Là. En tout cas, de ce que j'ai vu à date, c'est comme s'il était absent. Ayafalo. Pour les Kings, en green, première Ice Crystal, c'est Nazem Kadri pour les Flames. Calgary et le rookie à l'arrière, Pittsburgh, Philip Hallander. Dernier pack du côté droit.
On a une green on top ici, Mr. Jacob Lauco. Et Bruins, ensuite c'est Jacob Galvis en Ice Premiers sur 999. Il s'agit de la 899. Pour les Hawks de Dominic. Voilà comme ça. Le rookie à l'arrière, les Kings, Jacob Mouvrier. L E. Green, ensuite, Matt Boldy. Le Wild, Ice Crystals, toujours le Wild, toujours Boldy. Dans le même paquet, rookie à l'arrière, sénateur Matt Sogard. Ottawa. Et qu'est-ce qu'on a ici, un jersey, je crois, Merzlikins pour les Jackets. Et à l'arrière, jersey Chris Kreider. C'est les Rangers. Monsieur Kreider, New York, pour Mathieu. Et le rookie à l'arrière, pour les Jackets, Kent Johnson. Columbus, 4 packs à faire dans cet ice. On s'en va dans le premier ensuite. Green Jordan Kyrou. Les Blues ensuite, Johnny Gaudreau pour les Jackets, Columbus. Pour Mathieu, et rookie pour les Hawks, Monsieur Reichel. J'ai pogné des cartes jeunes loups, d'après moi, sont fausses quand je disais jeunes loups en les voyant. Attendez. Peut-être, Denis, peut-être. Neil Pionk pour les Jets. En green, c'est Winnipeg et on a eu de Braden Tracy. Ice Premiers sur 599. Ce sont les Green pour les Ducks. 321. Voilà Tracy, les Canards. Et rookie à l'arrière, Monsieur Jerry Check. Avec un focus, s'il vous plaît. Merci, Columbus. Deux packs à faire. On a une petite surprise. Let's go. On a une green de Brady Hitchcock. Sénateur, justement. Ensuite, c'est une Sub-Zero. C'est les Blues, Jordan Kyrou. Kyrou Saint-Louis. Pas de variation. Et le Kraken maintenant, Matty Beniers. Pour Max et Seattle. Pas juste, ça marche juste avec toi. Mais excuse Denis Moses. Allez, on a une green de Slavkovski, le Canadien. Slavkovski envers pour Montréal. Les Habs. On va s'ajouter ça à gauche. En orange maintenant, on s'en va à Ottawa, Josh Norris. Norris pour les Sens et la rookie l'arrière. Monsieur Quinn pour Buffalo, à nouveau les Sabres. Voilà, Box Ice est complété. On va se faire de la place un petit peu. Et on s'en va dans le premier. Après ça, on va aller voir la B-Box. Salut Sylvain! Est-ce que c'est une carte du Wild? Oui, monsieur. C'est monsieur Kaprizov qui est là en cool cuts. Qu'on a sorti dans la Ice. Allons-y, on semble avoir un plus petit pack aujourd'hui. OK. First one, Hurricanes. Monsieur Neck sur 299. La Caroline. Il s'agit de la 221 de 299. Les Canes pour starter cette deuxième boîte. Ensuite, on a une rookie. Et on a un Monsieur Zgris Godonsa sur 399, les Ducks. La 045. C'est Anaheim. Voilà les Ducks pour Simon. Ensuite, on va en dessous. On a un jersey pour les Leafs, Michael Bunting. Donc, blue jersey pour Toronto. Les Leafs. Un autre en dessous. Je pense qu'on a une carte supplémentaire. Ça se peut-tu? Je pense que oui. Un autre jersey en green. Cette fois, Monsieur Podkolzin, Vancouver. La 253 de 300.
Pod goes in. Les Canucks. On a bel et bien une carte de plus. C'est un autre jersey. Monsieur Cider. Mo Cider. Détroit pour David ici. Maurice. Maurice en rookie à jersey. Les Wings. Et on va aller voir nos autographes maintenant. On va aller voir nos autographes. On a une RPA sur le top, mais en dessous, c'est une signature seating. Nashville. Philip Tomasino, les Prince. Hey, c'est Marcel avec Nashville, les Predators. Here we go. Tomasino, les Preds pour la première. Super nice. On l'a placé ici. Et la dernière, c'est un RPA. Ma semble, j'ai vu trois couleurs. La Rookie Patch Auto. Yes, it is. Sur 249, Monsieur Casper Bjorkvist. Les Pingouins, David Huet. Yes, Pittsburgh avec la RPA dans la première. Restez avec moi, je vous partage mon écran dans les prochaines secondes. On s'en va chercher la B-Box. Ok, yes. Ok, yes. Je me fais de la place rapidement. On va regarder ça ensemble, voir. On va regarder ça, voir. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? By the way, c'est l'heure des suggestions. Qui est-ce que vous pensez qu'on va sortir dans nos B-Box? Et by the way, on va aller faire le random ensuite aussi pour la Pro 7. Ouais, il y a quelqu'un qui va repartir avec la Pro 7 à ce soir. C'est malade, j'enlève mes speakers. On va aller partager l'écran dans les prochaines secondes. On s'en va chercher le jersey. Quel B-Box on prend ce soir? À date, la 9 et la 24 sont déjà sortis. On va s'en aller ici, je vous partage mon écran tout de suite. 1, 2, 3, go! Donc on est sur notre Roll and Shuffle. Je vous ai déjà marqué les B-Box ici à la gauche. Donc la 9 et la 24 n'y sont plus. Et c'est parti. Dice Roll est activé. 3D minimum 6. Laquelle on prend ce soir? On paie sur le péton. Ça va rouler dans les prochains instants. Je présume. On va le laisser aller voir. D'habitude, ça marche quand même assez vite. Évidemment, là, quand on est en live, ben, ça arrive des fois. On a Michelli, celle-là, en Jérémy. Crosby for sure pour Olivier. Curie pour Luc, Brodeur pour Cal. Tampa Point pour Marie-Pierre, j'aime ça. Salut, c'est Gilles. Pierre-Marc Bouchard. Qui est sorti jusqu'à date? Maxime, on a Scheifele qui est sorti. Et ce qui qu'on a sorti hier? Donc, Quinn Hughes qui est sorti hier. Mais vous le savez, hein, c'est pas parce qu'un joueur ou une équipe est déjà sorti que ça se peut pas qu'il ressorte une autre fois. Macar, selon Denis, Ovi, selon Ivan, let's go. Et ici, ça semble pas marcher. On va peser sur le piton, voir. Ça semble jammer. On va se faire un petit refresh au pire. Je vais copier mes numéros. On va recommencer, voir. Il y a peut-être de quoi qui est gelé. Pourtant, là, ça a l'air à marcher comme il faut. B-Box. Break 27,95. On réactive le dice roll et le minimum de 6 avec 3D. Et on va payer sur le piton, voir. Ah ben voilà. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bref, là ça marche. 6, les dés. Ça a été brassé 6 fois. Et on prend la B-Box numéro 19. Donc je vais copier le lien du random qu'on vient de faire sur le post du break juste ici. Vous allez pouvoir revoir chacune des rondes. Bobby Sennett selon Normand. Ça serait malade ça. Voilà le lien qui vient de se copier. Je vous remonte ça ici. On prend la 19e. Je vous ramène avec moi sur le live. Comme ça. On va barrer le numéro 19. Et je vous transfère de caméra. On va aller chercher ça. Jersey Cam. Let's go. C'est parti. Vous avez l'espace de travail en haut à droite comme d'habitude. Et on va aller chercher la 19 de l'autre côté. Hey, c'est parti. Box numéro 19. Ici c'est 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ça devrait être celle-là ici, si le compte est bon.
On va faire ça comme ça. Bel et bien la 19. Je vais la voir ici sur la caméra en haut. On la garde toujours sur la caméra. On descend ça sur le plan de travail. Voilà. Et c'est l'heure de la B-Box. Vous avez donné de belles suggestions à date. Je vous montre ça, caméra en haut à droite. Vous pouvez voir 19 de 25. Je vous ramène sur le live. 19 de 25 toujours. 1 à 1, Boston, t'aimes pas fin de première. Merci, Denis. Allons-y, je vous fais pas languir plus longtemps. Et je vous le rappelle, hein, je vous le dis, c'est la série la plus haute qu'on a faite, je pense. C'est la 3e, mais je pense que c'est la plus haute de toutes. Je vous rappelle, on a un autre break de hockey en cours, c'est un Inner de Black Diamond. Ouais, allez voir ça, il reste quelques équipes de disponibles, on a des mini en cours. Sinon, on a un golf à moitié plein. Oui, break de golf existe. C'est vraiment plaisant et c'est pas cher. Et on a un break de football aussi. On vous a sorti ça en Team Select avec nos B-Box football. Oui, on a des jersey football autographiés. C'est malade. Allons-y, qui en a de cachet là? Oh, êtes-vous sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Si c'est ça, oh my God. Oh my God. Si c'est ça, on a un monstre. On a un monstre. Je pense que c'est ce que je pense. Je sais pas si ça se dit, mais d'accord. Allons voir ça. Ouais, monsieur, madame. Regardez ça, comment c'est magnifique. Regardez ça, comment c'est magnifique. Jean Béliveau. Jean Béliveau, le Canadien qui a le jersey. Et regardez la beauté de la signature sur le 4. Il est magnifique. Magnifique. Je vous montre le jersey à l'écran tout de suite. Voilà, c'est le jersey qu'on vient de sortir. Wow! Marcella! Jerry Valdivia avec le Canadien. Oh my God! Monster hit! Bang, 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 bang. On n'a pas le choix, bro. Colita! Mabouya! OK, yes! Nice hit! Le Canadien! Ouf. Aïe, aïe, aïe! Alors voilà, mettons que j'enlève la petite image. Marcella, félicitations, vous venez d'acquérir un jersey autographié de haute qualité. Merci de votre soutien, profitez pleinement de votre nouvelle acquisition. Malade, malade, Jean Béliveau. Puis là, vous pourrez pas dire, je vous l'ai pas dit, c'est de même tout le long dans la série 3, il y a juste du gros stock là-dedans. C'est fou raide, manquez pas nos B-Box, je vous le dis, il y a des surprises de même tout le long. Ça va être malade. Fou raide, hein? François est jaloux. Je vais me contenter de la boîte de Pro 7, Sylvain. Allons-y avec la boîte de Pro 7, si ça vous tente. On va faire ça, c'était random parmi tout le monde. Hein? Bon, ben, bougez pas, je me recule. Je vous repartage mon écran encore. On va aller faire ça. Comme ça ici. Donc, on retourne sur notre Roll and Shuffle. On en fait nouveau. Voilà. Pro 7. Pour le break 27,95. Qui va repartir avec la box de Pro 7. By the way, on ship ça à nos frais chez vous. Et c'était random parmi tout le monde. Random parmi tout le monde et shippé chez le gagnant. Voilà, alors on prend tout le monde. On envoie ça de l'autre côté. Comme ça. Donc tout le monde est là. C'est parti, on pèse le piton. Qui c'est qui gagne la boîte de procès ce soir? Booyah! Lady donne 11 et après 11 fois, Jérémy Labbé qui avait les coyotes. Jérémy qui remporte la boîte de Pro 7. Il y en a qui vont l'ouvrir, il y en a qui vont le garder. Personnellement, je la garderais intacte. Mais, by the way, c'est dans cette boîte-là qu'on peut retrouver la coupe Stanley. Tu sais, la hologramme, celle qui vaut plus cher dans le Pro 7. C'est ça. On montre le gagnant, Jérémy Labbé avec les Coyotes. Jérémy, félicitations. Je vous ramène sur le live avec moi. Tabarouette. Beau petit break. Pas été long, mais plaisant, s'il vous plaît. Je vous remonte un petit wrap-up. Voici ce qu'on a sorti dans ce break. Avec explosion incluse, non volontaire, mais voilà. 5 à 1, Buffalo vient le scorer, merci Denis. On a eu Slavkovski en rookie et en vert. Kaprizov, Kukoc pour le Wild. Zegras en rookie pour les Ducks. Même chose avec un jersey pour Cider et les Wings. RPA de Bjorkvist pour Pittsburgh. Thomasino Nashville en signature seating. Et il y en a Jack Quinn ici pour Buffalo. La brossette, la boîte, ça s'en va chez Jérémy, cette boîte-là, Jérémy. Congrats. Et je vous remontre le magnifique jersey de ce soir. Nul autre que Jean Béliveau, le Canadien qui sort ça. Oh my God.
Hein? Quand même pas pire. By the way, surveillez ça. On vous sort ça vendredi. On est quoi aujourd'hui? Vendredi. Vendredi, on vous sort le 2800e. Soyez prêts. Ça va brasser. Ça va être un gros, beau break. Il est presque prêt. Ça va être assez plaisant. Demain, on vous sort aussi du Pokémon. Yes, on vous fait un beau petit break Pokémon. 3 bucks, il y en a une qu'on fait tirer parmi tout le monde. Surveillez ça aussi. Ça va être plaisant. Là-dessus, je vous quitte. On va aller se préparer pour les autres breaks. Merci tout le monde d'avoir été là. Bon début de soirée. À tantôt. Sinon, je vous dis à bientôt. Merci. Salut.